Salut tout le monde, c'est ML de Génie, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Soleil. Yes! À l'épisode précédent, on s'était quitté devant la grotte verdoyante et aujourd'hui, on va juste regarder si j'ai assez de potions. Déjà, j'en ai 4. On va peut-être en prendre un peu plus parce que je ne sais pas si j'ai le niveau. Et étant donné que j'ai pas joué hors caméra par rapport à l'épisode précédent, je vais essayer de faire attention. Voilà. Alors, j'achète. Il y a des super potions ici. Des soins ball, faible ball, luxe ball. Qui te permet de gagner rapidement l'amitié d'un Pokémon sauvage attrapé. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal de bonnes choses. Mais moi, je veux des super potions. On va en prendre 5. Voilà. Et je m'en vais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as proposé? Acheter. Pokéball, potion. Ok, donc ça c'est les petits budgets ça. Je vais en prendre un peu plus de ça. Je vais en prendre 10. J'ai dit 10 mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Corde sortie, ça peut être pratique. Repousse aussi. Je vais prendre 2 repousses. Ça peut être pratique dans la vidéo. Et corde sortie, non. Non. Ok, let's go. On est paré. On est ready. Nous allons faire la grotte verdoyante. C'est parti. Oh, pouf pas le mur, commence pas. Waouh. C'est très joli, hein. Bienvenue dans la grotte verdoyante. Alors, prêt pour l'épreuve du majestueux Capitaine Aldeo, petite tête? Bon. Laisse-moi te faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses. Ah. C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de leur tanière. Ensuite, tu fonces tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois un piédestal dessus. Tu trouveras un cristal Z. Prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec ton Pokémon. Comme j'étais à la bonne, je vais encore te donner une info. Ah, ma bonté me perdra. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte, mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. De toutes les preuves, c'est sûrement lui qui va t'en faire baver le plus, alors fais gaffe. Bon, et vraiment parce que c'est toi, je te donne une dernière info. Tu n'as pas le droit de capturer les Pokémon de la grotte verdoyante tant que tu n'as pas remporté l'épreuve. Oh, salaud! Garde en tête que c'est l'une des 7 épreuves à réussir pour compléter ton tour des îles. Sur ce, que le spectacle commence. Oh la vache! C'est pas sympa ça. Bon. Allez, oui. On va le vaincre. Ça ira vite fait, bien fait. Par contre, c'est vrai que c'est dommage que je peux pas les capturer tant que j'ai pas fini l'épreuve. Mais bon, ça veut dire aussi que si je trouve des Pokémon intéressants, je pourrais les capturer après. Alors, Flamiaou, je compte sur toi, tu vas prendre un niveau. Peut-être pas tout de suite, mais... j'espère que tu vas prendre un niveau rapidement. Ok, one shot. Parfait. Ok. Encore 2 à vaincre, oui. Ah, il y a une Pokéball là. Super potion. Il y a un truc là. Oh, rappel. Sympa. Oh. Je bouge pas. Ah. Il m'a eu. Alors ça va être quoi comme Pokémon du coup? Un Manglouton. Bon, je peux pas les capturer déjà. Donc on va le tuer. On va pas le tuer, on va le mettre KO. On tue pas vraiment les Pokémon dans ce jeu. Voilà. Abra va bientôt évoluer en Kadabra. J'aurai enfin des Pokémon bien badass. Encore un à vaincre. Ah, il est sorti de sa tanière, c'est pour ça. Ah. D'accord. Un truc sous... Non, t'as rien.
Je vais descendre parce que j'ai vu ça. Casse-brique. Alright. Bon, la première épreuve, elle est un peu bateau, hein. Je dis ça. Ok, le dernier est là. Ok, on va passer par là. Est-ce que je peux ramper? Je peux ramper. Super. Une super potion pour Bibi. Viens là. Oh, il est là-haut. Ouh, la méchante bébête. Allez. Mais c'est une blague. C'est une blague. Ok, sors de là. Mais non, mais arrête. Ça suffit maintenant. Allez, je vais continuer de fouiller là-dedans. Et il est toujours là, en fait. Mais c'est incroyable. Je vais essayer de fouiller sur celui du... Ah. Oh, c'est encore eux. Ouch, ouch. C'est la revanche des racailles du champ de baie. Tu ne reconnais, j'espère. Pas du tout, les gars. Sérieux? Et si on échange nos places, tu ne remets toujours pas? Bah, peu importe. On est là pour lui faire rater l'épreuve. C'est clair, on va lui voler ses Pokémon vite fait, bien fait. Moi, j'ai toujours le sourire, hein. Ça me fait pas peur. Wesh, yo, c'est moi, la Team Skull. Tu fais pas peur, mec. Ok, vas-y, tu vas envoyer quoi comme Pokémon? Encore? T'as pas compris que je t'avais battu tout à l'heure, hein, déjà avec? Aïe, 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 aïe. Bon, là, c'est parti. Léchouille. Regarde comme il est gentil, mon Pokémon. Il va te faire une petite léchouille. Regarde. C'est amical. En plus, je te paralyse. Crasse face, c'est pas très gentil non plus. Allez. Petite léchouille. Est-ce que je vais gagner assez d'expérience grâce à toi pour faire évoluer mon Flamiaou? Est-ce que? Eh non. Donc, définitivement, vous ne servez à rien. Ah, poudre toxique, ça c'est bien ça. Parasport. Oui, je vais oublier, j'ai oublié quelque chose pour lui apprendre Parasport. Je vais lui retirer poudre toxique. Armure, c'est de la merde. Oubliez cette capacité. Parce que Parasport, je vais pouvoir paralyser les Pokémon. Ah, il va prendre Poudre Dodo. C'est vrai que Papillon apprend beaucoup de poudre d'un seul coup. Poudre Dodo, c'est plus sympa que Parasport pour capturer des Pokémon. Mais Parasport, c'est sur le long terme. Poudre toxique. Je vais enlever Poudre toxique. Allez, on enlève ça. Parce que moi, je vais pouvoir faire endormir les Pokémon. Et quand ils sont endormis... Il y a plus de facilité à capturer les Pokémon. Alors dites-moi si je dis des bêtises. Mais moi il me semble que quand un Pokémon est endormi, on a plus de facilité à le capturer que quand il n'est pas endormi. Je suis tellement nul, je comprends pas comment ils m'ont laissé entrer dans la Team Skull. Nope. J'hallucine. C'est quoi ce délire? Comment un gamin peut être si balèze? Laisse tomber, ce gamin c'est un ouf dans sa tête. Le gamin encore c'est rien, il y a un truc 15 fois pire que dans la zone de l'épreuve. T'as raison mon pote. Tu vois des petits Pokémon dans le coin? Non, bah parce qu'ils flippent tous se faire manger par lui. Ok, tous les Pokémon flippent de se faire manger par le gros. Donc on va voir. Qu'est-ce que tu me veux encore? Eh cousin, il y a vraiment un truc pas cool là-bas. T'es sûr que tu veux pas faire comme nous et te carapater d'ici rapidos? Eh mon pote, changement de plan, c'est notre revanche, on va partir comme ça. Va te poser à l'entrée d'un terrier de manglouton et essaye d'en attraper. T'es sérieux là? Bon bah ok. Alors Team Skull en force. Ils servent à rien ces types. Ils ne servent à rien ces types. Ok, donc les deux ils sont devant. Donc techniquement celui qui est en bas je vais pouvoir le capturer. Bah j'espère. Boost!
Voilà. C'était le dernier. Ah, c'est son évolution. Argoust. Ah ah. Bah, je pense que c'est son évolution. Oui, ça doit être son évolution. Mais par contre, je peux pas le capturer. Mais bon, il va me permettre d'évoluer au moins. C'est une certitude maintenant. Oui. Croque-feu. Allez. Ok. Yeah. Et du coup, on va pouvoir voir Flamio évoluer. Ça, ça fait plaisir. Picasso monte au niveau 14. Super. Allez, voyons voir son évolution. Ça aurait eu le temps quand même au niveau des épisodes pour faire évoluer Flamiaou. J'essaye de suivre les conseils que pas mal de personnes me donnent. Ouh, il est classe. Matoufeu. Ouh. Il est vraiment stylé. J'essaie de suivre les conseils que pas mal de personnes me donnent pour faire mes épisodes. Donc j'essaie de faire au mieux en fait. Ok. Putain, il est classe, hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce Pokémon. Oh, bah lui aussi il évolue. Écoute, c'est parfait. J'avoue que lui, j'ai absolument pas regardé ses évolutions. Je vais regarder d'ailleurs ses évolutions grâce à l'application Pokédex pour Android. Alors, dégage. Picasso. Oh, sympa. Alors, évolution. Ok, sa prochaine évolution, c'est niveau 28. Ah, lui, là. Il est sympa, en plus, ce Pokémon. Il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueu. Sympa. Et c'est tout. Ok, j'ai eu le dernier. Vous avez vaincu tous les Pokémon. Alors, on va juste changer de Pokémon devant nous. Parce que Crocodile, on y a bien joué avec. Matoufeu a bien évolué. J'aimerais bien Cabra évolue aussi. Donc, on va mettre ce Pokémon là devant. Histoire de le monter un peu de niveau. Un peu plus que les autres. Hein. Et au pire, on changera de Pokémon s'il y a besoin. Hein. Ok, je vais pouvoir sortir de la grotte. Un truc là, non. Bravo, tu as vaincu les 3 Pokémon. C'est bon, tu peux aller au fond de la grotte. Go. Ah, grotte vers repère du dominant. Ok, et donc ici on a bien... Vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous. Voulez-vous prendre le cristal Z qui se trouve sur le piédestal? Oui. Encore là, toi. Gougou. Le Pokémon dominant de la grotte verdoyante, Auguste, entre en scène. Écoute, vas-y, hein. Et niveau combien? Dégage une aura qui augmente sa défense. Ouh, d'accord. Niveau 12, bon. Je pense que je dois pas faire le poids, mais vas-y, éclate troc. Alors vous avez vu un peu comment c'est ralenti le jeu. Enfin, on voit que c'est un peu ralenti, c'est tout simplement parce que je joue sur 3DS. Et que le jeu est beaucoup plus optimisé sur New 3DS. Éclate troc dans ta bouche. Effectivement, la défense fonctionne bien sur lui. Hein. Ouais, je fais baisser un peu sa défense en même temps. Grimace. Ah, je perds beaucoup en vitesse. Ah, il appelle du renfort. Ça, je connais pas, ça. Oh, un Mangluton apparaît. Oh là, c'est ralenti. C'est vraiment pas terrible. Ok, alors on va faire ça sur le... Sur le Mangluton, comme ça, on n'en parle plus. Ah, il utilise morsure. Aïe. Go! Oh, il est pas mort. C'est chiant.
On va utiliser ultrason sur Argoust pour le rendre fou. Bon, j'ai plein d'autres Pokémon, je pense pas que je vais perdre, honnêtement. Mais quand même. Ah, il a évité. Oh zut. Bon écoute, on va péter le Mangouton, comme ça on n'en parle plus, hein. Morsure, ouais. Ouh, ça fait mal, bah il va me tuer. Et voilà. Alright, mon petit pote, alright. Crocodile, à toi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Griffe d'acier. Non, on va juste faire pistolet à eau sur le Mangouton, histoire de le dégager. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ça, c'est bon, t'as plus de renfort. Il utilise Grimace, donc je vais perdre de la vitesse. En plus, j'en perds beaucoup de la vitesse, hein. On va faire griffe d'acier. Quoi qu'attends. L plus A. Puissance. Attends. Puissance 50. Et ça, morsure, c'est puissance combien? 60. C'est peut-être mieux de faire morsure, puisqu'en plus, on a un taux de réussite à 100%. Aïch! Clac! Ouh, tu prends cher. Encore une petite morsure. Oh, ça a pas marché. Ah, c'est parce que j'ai eu la trouille. Ah, oh, mais ça suffit d'avoir la trouille. La fillette là. Allez, une petite baie. Voilà. Ah, oh, mais t'as fini. C'est quoi ce chochotte là? Ah, gros yeux. Moi j'aurais pas la trouille. Allez, croque-le! Clac! Et voilà! Ouh, ça fait beaucoup de points d'XP, hein. Alright, alright, alright. Drabi monte au niveau 10. Kadabra, te voilà! Yes! Je vais pouvoir un petit peu plus jouer avec lui, du coup, maintenant. Parce que là, techniquement, il va apprendre choc mental. Si mes souvenirs sont bons. Et avant d'avoir un Alakazam, je vais attendre un peu parce que si je le fais évoluer tout de suite, parce que je peux avec l'autre version que je possède, il mettra plus de temps à apprendre les techniques. Ok. Super. Et du coup, vas-y, tu apprends une technique. Ah, c'est télékinésie qu'il apprend. D'accord. C'est pas pareil. Le gus dominant est allé se cacher au fond de la grotte. Bravo, petite tête, tu t'en es vraiment bien tiré. Franchement, je suis admiratif. Tu as réussi à vaincre le Pokémon dominant, alors que je l'avais spécialement entraîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. En unissant tes forces à celles de tes Pokémon, vous avez remporté cette épreuve haut la main. Enfin, haut la patte. Bref. Bras ML2J, encore bravo. File prendre le cristal Z sur le piédestal. Ah ah. Épreuve réussie. Nice. On dirait qu'il a des super pouvoirs dans la main, hein. Vous obtenez une Normazélite. Donc ça, techniquement, ça doit être un Cristo-Z qui doit marcher sur les Pokémon normales. C'est ça, il vient de le dire. Ce que tu viens de récupérer, c'est un Cristal-Z de type normal. On l'appelle aussi Normazélite. Tu devrais le donner à un Pokémon qui connaît une capacité de type normal.
Ensuite, tu n'as plus qu'à reproduire cette pose pleine de grâce et bam! Tu enchaînes la force Z avec tes capacités de type normal renforcées. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Ça, la mèche, on bouge. Ah, attends, avant mon brushing, je vais te révéler un secret parce que je suis sympa. C'est au sujet du Pokémon dominant. Dans chaque zone gérée par un capitaine, tu vas croiser un Pokémon dominant. Comme l'Argouste de tout à l'heure, bien plus costaud que les autres. Et à Alola, les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort en plein combat. Maintenant que tu as vaincu le Pokémon dominant, tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte si ça te chante. Tiens, comme je suis un bon prince, voilà un cadeau. Amuse-toi, petite tête. Il va me donner des Pokéballs. Ah, des Super Balls. C'est encore mieux. Et bravo à tes Pokémon, hein. C'est grâce à eux aussi. Soigne les bouillins. Ah bah merci, c'est gentil. C'est encore mieux. Bon, tu sais quoi, comme je t'ai vraiment à la bonne, viens me retrouver sur la route 3. J'ai un truc à te montrer. Ok, on verra après. En attendant, vu qu'on est dans la zone, on va essayer de récupérer... Ah, je peux pas passer, il me faut... de quoi péter ça. Zut. Bon, on va sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme Pokémon devant? Normalement, je dois encore avoir... Voilà. J'ai Picarion. Sauf que... Ah, Kadabra, il est quand même niveau 16. Il est bien évolué. Il est 10, Drabi. On va le mettre... Non, pas résumé. On va le mettre devant. On va jouer avec lui. Voilà. Il y a une technique qui enlève 40 PV d'un coup, donc ça peut être sympa. Ok, faudra qu'on repasse ici plus tard, quand on aura la capacité de péter les cailloux. Donc là, voilà, il y a des Pokémon qui peuvent venir me voir. Donc si c'est pas un, si c'est un Mangouton, on se barre. Hein. On se barre. On fuit. Merci. Ouais, parce que le farm d'XP, je le ferai plus tard. Hein. Ok. Ah, il y en a un qui va vouloir venir m'attaquer. Ah, ah non, j'en trouve un comme ça. Qu'est-ce que ça va être? Topiqueur. Je prends... Je ne possède pas ce Pokémon. Alors, on va lui faire... Ouh, Hydrocanon, ça va le tuer d'un coup. Flamèche, est-ce que ça va le tuer d'un coup? Tout en sachant que je suis moins puis, je suis moins évolué que lui. Ouh, Griffe d'Acier, ça pique, ça. Ouais, ça va encore. Ça va! Comment ça, il appelle à l'aide? Oh, bah, t'en as un autre, maintenant. Oh, bah, bravo. Allez, moins... Ouais, allez, Flamèche sur l'autre. Voilà. Étonnement. Oh là là, je suis tellement étonné. C'est vrai qu'ils... Ah, c'est vrai qu'ils peuvent me faire mal à deux, quand même. Hein. Alors, lequel des deux jeux... Oh, c'est super efficace, sauf que l'autre... C'est compliqué, hein. Je vais essayer d'en capturer un tel quel. Je pense que ça va pas marcher, mais bon. Ah d'accord, impossible de viser quand il y en a qu'un, quand il y en a plus d'un. Ok, bon faut que j'en tue un alors. On va en tuer un, peut-être avec morsure, celui-là. Si l'autre me fait pas griffe d'acier, ah bah voilà. Je suis mort. Ah, Drabi aura pas fait long feu, hélas. Fuck. Je me fous de toi. Putain, Papillusion. Go, Papillusion. Poudre dodo, tiens, sur toi. Ok. Jet de sable, ok. Ah, il évite l'attaque, fuck. En plus j'ai des techniques qui sont pas très efficaces contre eux. Hein. Purée, c'est qu'un Pokémon sauvage et je vais rester 107 ans là-dessus, quoi. En plus, ils réduisent mon attaque. Mais c'est pas possible, il esquive tout! C'est quand même incroyable. Allez, essaie de... Putain, j'ai plus d'attaque du tout, là, c'est fini. Hein.
Incroyable, ils esquivent tout. C'est n'importe quoi. Non, pas tornade, plus choc mental. C'est que ça leur fera pas grand chose, mais bon. Incroyable. Oh la vache. Bon, je vais le faire sur l'autre parce que lui, je vais essayer de le capturer, le niveau 11 là. De souvenir, il évolue niveau 30, Topiqueur. Allez, détruis-le avec choc mental là. Bim. Non, c'est pas suffisant. Allez, tue-le maintenant. Et je vais enfin pouvoir capturer un Topiqueur. Eh bah. Oh, j'ai la trouille, faut arrêter. Voilà. Lui, il décède. Très bien. Et l'autre, je le capture. Ah bah yon. C'est compliqué, hein. D'ailleurs, je pensais que là, il venait de m'expliquer que c'était les Pokémon assez spécifiques, ceux qu'on a combattus, qui pouvaient appeler du renfort. Mais là, il en a appelé un autre, hein. Il a appelé du renfort, le Topiqueur, hein. Bon, t'as niveau 14, très bien. Je vais pas lui faire de soins, ça m'intéresse pas. Oui. D'ailleurs, c'est la forme Alola parce qu'il a, il a 3 poils sur le caillou. Et je crois que Topiqueur, il a rien sur, sur le crâne normalement. Ouais, forme d'Alola. Ok. Bon. Non, pas le sac. Étant donné que mon Pokémon est décédé, on va mettre Kadabra devant. Voilà. Et on va se battre avec Kadabra. Taillons-nous. Tu me diras, on va pas vraiment se battre avec lui parce qu'on va aller au centre Poké, les soigner et sauvegarder. Hein. Hey. Ah, te voilà, petite tête. Laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses, afin que tu te couches moins bête. À certains endroits d'Alola, tu tomberas sur ce que l'on appelle les barrières du Capitaine. Derrière ces barrières se trouvent des Pokémon redoutables. Normalement, tu n'as pas le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais que vu que tu fais ton tour des îles, il te suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer. Bon, maintenant, admire le Capitaine. Un claquement de doigts et hop. Classe. C'est la route 3. Ton terrain de jeu s'est un peu élargi. À Melemele, il n'y a qu'un seul et unique Captain, moi-même. Cela veut aussi dire qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, file annoncer au doyen que tu as terminé l'épreuve. Au cas où tu l'aurais oublié, le doyen de Melemele, c'est Pectorius. Je l'avais. Ok, lui il revient normal. Oh, il va encore y avoir du blabla. Salut man, quoi de neuf? Vu la tête que tire Altéo, j'aurais vu que tu as réussi la première épreuve. Ça se fait. Je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la force Z. D'abord, ouvre la poche Cristo Z de ton sac et choisis celui que tu veux utiliser. Ensuite, donne le Cristal Z à ton Pokémon. Ça va, tu suis? Si ton Pokémon connaît des capacités du même type que celui du Crystal Z, bingo, ça marche. Une fois que ton Pokémon tient le Crystal Z, il peut se servir de la force Z en combat. Au fait, tu peux utiliser le Crystal Z autant que tu veux, il ne disparaîtra jamais. Tranquille. Ouvre grand les yeux, et admire l'artiste. Oh, il va me faire une démo. Moi qui voulais sauvegarder assez rapidement, eh bah, mon cul, oui. Caninos. Ah bah voilà, un petit Pokémon que j'ai pas. Rocabo. Attaque. Alors, fais voir. Ah, il a la force Z sur le côté. Les petits efforts. Regarde. Ok. Il clique sur force Z. Oh, oh. Turbocharge bulldozer.
Non mais c'est quoi ça? Tu t'es cru dans Dragon Ball Z ou quoi? Oh le Kaninos, il a pris tellement cher. Pauvre bête. Pauvre bête. Phew! Pour utiliser la force Z, le dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon. Autant dire que ça use. Du coup, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par combat. Ça explique votre regard hagard, professeur. Non, ça c'est parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important, comme si on m'avait attaqué avec amnésie. Ah, ça me revient. J'ai perdu de vue Lily quelque part sur la route 3. La bourde, ML2G, tu veux bien aller la chercher pour moi? Je peux aller jeter un œil à la grotte, au cas où. Ouais, séparons-nous pour la chercher, ça ira plus vite. C'est ça, cassez-vous. Foutez-moi la putain de paix. Allez, on va soigner ces Pokémon. Vu qu'il y en a un qui est décédé. Et on va se quitter là, les amis. Ça aurait été pas mal aujourd'hui, hein. Pas mal d'évolution. Nice. Super. Alors, hop. Sauvegarder. Et je sauvegarde ici. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode de Pokémon Soleil vous aura plu. N'hésitez pas à partager la série si vous l'avez apprécié. Et à mettre un petit pouce bleu si vous voulez me supporter. Voilà. La dernière fois, j'ai dit l'inverse. Mais c'est pas grave. Ça marche aussi dans les deux sens. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.